Salut tout le monde, c'est Brocorse, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le let's play de Zelda Skyward Sword. Let's play enregistré en live, donc là vous avez droit à la version épisodique, c'est infiniment moins long. Je remercie toutes celles et tous ceux qui likent, partagent et commentent les vidéos sur ma chaîne. Merci infiniment parce que c'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Donc merci de tout cœur. Sur ce, bon visionnage. Je réfléchis en même temps que je fais ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ouais, mais j'ai pas récupéré la carte. Je suis venu pour récupérer la carte. Je l'ai pas. Attends, si tu me dis que la carte elle est dans le coffre en bas, je me flingue. Faire descendre ça là? Ah si, toujours là, ça. Remonte. C'est quoi, je vais aller voir. Si sa carte elle est là-dedans, c'est une arnaque. C'est une arnaque! Pas du tout! L'arnaque, c'est d'être descendu. Ah, d'accord. Salut! Au revoir! Là, il y en a une, un cactus bombe, mais il est beaucoup trop loin. Jamais je peux aller jusqu'à là-haut. Mais qui ne tente rien à rien. Mais. Et lâche-moi! Jamais, jamais je vais jusque là-haut. Impossible. Je fais pas la moitié du chemin, quoi. Évidemment. Là, ça sert à rien. J'en trouve un autre. Doit y en avoir un. Ça me semble être ça. On verra bien. C'est pas le bon truc. Pêche-toi parce que là tu vas te faire griller le cul. Voilà, merci. Ah, faut que je repasse par Bob. Est-ce qu'il y en a un là? Pas du tout. Non, je crois pas que je l'ai la carte. Je sais pas où je peux l'avoir. Score. J'ai la lettre pour. Je sais plus qui est là. La lettre d'amour. Mais la carte, je l'ai pas. Salut mon pote. Allez, ciao. Faut pas que j'oublie de checker si je trouve... Cactus bombe. Bomba. Qu'à lui là, c'est chiant ça. Je l'avais oublié. Putain, il me reste que deux. Au secours.
T'es sérieux? Oh non! Ça. Je l'ai récupéré dans le coffre dans la maison du capitaine? Sérieusement? J'ai pas capté? Allez, ben je suis débile. Et ben on va aller parler au capitaine, écoute. C'est vrai que je me suis un peu obsédé sur le gros truc là. En me disant que c'était là-dessus et du coup j'ai pas capté. Très bien. Attends, je regarde un truc vite fait. Rapide. Calmez-vous. Alors? 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 Ok. On va retourner le voir. J'adore perdre mon temps bêtement. Ok. On y va. C'est une descente. Ça devrait aller plus vite. Allez, ciao. Et merci Furix. Poète, poète, poète. Salut Daisy! Je peux pas récupérer les bombes. Allez, parti. Alors? Bien, tu as ramené la carte marine. Avec ça, on va pouvoir naviguer correctement. Allons chercher mon navire maintenant. On embarque? Eh ben ouais! On largue les amarres. Merci Furix. Je serai encore resté 1000 ans. Jetons un œil à cette carte marine que tu as ramenée. La croix indique la position du chantier naval. D'accord. Direction le chantier naval. Le chantier naval est un site de construction de bateaux. C'est là que mon navire a été fabriqué. Tu pourrais peut-être obtenir des indices sur l'endroit où se trouve mon navire là-bas. Allez, on largue les amarres. Ça roule ma poule. Allez, je vais tracer un peu peut-être. Y'a pas des ennemis à un moment? Ou des créatures, je sais pas moi, un truc. S'il vous plaît. Ah! Petit tombeau. Voilà. J'ai pris le meilleur chemin, hein, comme d'habitude. Au moins, je dois pouvoir les péter, les tombeaux. Il doit y avoir moyen. Ah, voilà une créature. Oula, la musique change. Des beaucoup blins, ouais. Salut les mecs. Ils doivent se faire chier là-haut. Salut les bros. Oula, il y a une armée. Emballer, c'est peser. Le chantier naval. Ok. De l'eau, donnez-moi de l'eau. Ah. On est arrivé. C'est l'île du chantier naval, il y avait une ville ici avant. Les ouvriers qui travaillaient sur le chantier y habitaient. Ce bâtiment là-bas, c'est le chantier naval. Mais on ne peut plus y accéder, car l'entrée est bloquée. On peut se déplacer sur cette île à l'aide d'un réseau de wagonnets. Si tu empruntes le réseau de wagonnets, tu trouveras peut-être l'entrée arrière du chantier naval. Repoline. Il y a une zone d'embarquement là-bas. Commence par t'y rendre, je t'attends ici. Ça roule.
Ok. Évidemment, la petite sauvegarde. C'est un oui. C'est quoi ce bruit? C'est le buisson? Tu vas te calmer, hein. Je suis un fou, moi. Ok. Donc là, c'est fermé. Petite map. Oula, c'est tout petit en plus, c'est chouette. Va falloir jumper sur le wagonnet, j'ai déjà envie de me flinguer. Bon, il y a les alphos. Il me reste une bombe. Je vais devoir les affronter. Ça pue du cul. Hein. Pardon? Mais pardon? Calmez-vous! Mais, laisse-moi me lever. Je suis mauvais. Ah, un cœur. Je prends. Allez, crash. Allez, voilà. Ça dégage, merci. Ok. Vers le centre-ville. Très bien. Approchez-vous puis appuyez sur A. Très bien. C'est tout ? Si vous prenez trop de vitesse, appuyez sur B. Sauter par-dessus les obstacles. Ah d'accord. Au secours, j'ai une meuf flinguée. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Autrefois ici, c'était la zone d'embarquement des wagonnets de la mine. Mais il fonctionne toujours. Faut pas croire. Si tu grimpes là-dedans, tu pourras faire le tour des îles du coin. Il y a des constructions sur le mur qui disent comment faire. Mais attention. C'est un peu dangereux quand même. Faut tout bien lire. Très bien. Tu fais les boutons déjà pour sauter? C'est B? Je sais plus. Ouais. Non, c'est pour freiner B. D'accord. Ben, on verra. C'est quoi? On va d'ores et déjà s'asseoir un petit peu. Mais fatigué de ce long voyage. Ça fait des années que je suis tout seul sur cette île. Tous les jours, je fais mes tours de wagonnet. Je ne m'en lasse pas. Ça me fait plaisir de le savoir, hein, mais la prochaine fois, tu mettras un slip. Hein. Je suis pas tranquille, là, quand même. Très bien. Ok, on se penche comme ça. Comment on saute? Comme ça. Comment on saute? Au secours! Ça va être sur rien. Oula, oula! Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi, je te dis. Pas doucement. On n'est pas pressé. Oula, oula. 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 Ça sert à rien d'aller. Oh là oh là là, calme-toi. Putain, ça a monté le truc. Il fonce quand même. Secours. Oh là, oh là. Focus, évidemment. Ok. Je m'attendais à devoir sauter à un moment, mais pas du tout. Je suis déçu. Hein. Poète, poète. Salut Saber, bienvenue. Il y en a assez là? Calmez-vous. Hein. Ok, là-bas il y a à nouveau un wagonnet. Et là je pense que c'est. Qu'est-ce que t'as toi? Je pense que c'est pour redescendre au début. C'est exact.
le wagonnet. Ah, il y a encore un panneau. Vers le chantier naval, très bien. Ça va mon pote? Il y a une chronolite dans le coin, côté là, toi? C'est reparti pour un tour. Ok, ok, ça monte, et ça monte, et ça monte. Oula! Calme-toi, 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 calme-toi. Ah, prends par là, voilà. J'ai aucune idée d'où je vais, mais j'y vais. Salut Karim! Et merci pour le petit coucou, ça fait toujours plaisir, mec. Passe une bonne après-midi. Et merci d'être passé, Karim. Voilà, voilà. Ah, ah, ah! C'est un échec! J'ai appuyé trop tôt. J'adore. Est-ce que j'ai perdu un cœur du coup ou pas du tout? Pas du tout. Allez, c'est reparti pour un tour. Est-ce que j'ai une map? Attendez. Donc ouais, je passe là. Donc oui, en fait, j'avais pris le bon chemin. Ok. Ok, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Pas déconner non plus, c'est pas Fast and Furious. Voilà. Ok. Ah, j'ai encore appuyé trop tôt, j'ai envie de me flinguer. Est-ce qu'il faut que j'appuie ou est-ce qu'il le fait tout seul? S'il faut, il le fait tout seul. Ah. Je trouve ça dommage qu'on perde pas de cœur. Calme-toi. Ah! Alors? Peut-être faire le kéké, peut-être. Voilà! Voilà! Peut-être que j'arrive pas assez vite. Ah, il fallait appuyer. Hein. Je confirme. Je voulais tester sans appuyer, évidemment. Je répète. Alors. Ok, dommage. Est-ce que je suis obligé de freiner pour prendre un branchement ou pas du tout? Non, ça va. Yes! Voilà. 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 J'ai aucune idée si c'était par là. Laissons faire le hasard. Thank you.
plus long encore le trajet, non? Ok. Ça c'est fait. Allez hop. Merci, au revoir. Wait, wait. Ok. Voilà. Voilà. Donnez-moi des bombes. J'ai besoin de bombes. Ou des graines à la limite. Il y a tellement rien dans ces tourneaux de ces morts. Ah super. Je suis refait. Maître, nous sommes arrivés dans la partie centrale du chantier naval. Ok? Avec le temps, les installations ont été recouvertes de sable. Je vous recommande de fouiller dans le sable pour trouver des indices sur le navire. C'est d'accord. C'est un plan, ça. J'espère que les plans de mon navire seront bientôt prêts. Ok. Je suis en observation, hein. Ne vous inquiétez pas. Si je descends, j'ai un moyen de remonter, là. Ça me plaît pas du tout, ça. Map. Une porte, ici. Ok. De là, je devrais pouvoir la voir, j'imagine. Ouais, elle est là-bas. Mais c'est fermé. Là, on a un passage. Salut! C'est quoi ces trucs? Oh là! Oh là! On va faire comme si on l'avait pas vu. Hein. Fake, il m'envoie la mort. Ouais, tu devrais regarder dans le sable. Il y a des trucs sympas, tu vas voir. Tu vas trouver des indices très piquants. Je le ménage parce que si je me souviens bien, il y avait une pattern où il se met dans le sable. Je me dis que s'il y a moins de sable, il se cache moins. Le sable réapparaît. Pas sûr. Sale bête. Ouais, c'est un peu réapparu là. Allez, c'est bon. Ça m'a saoulé. On retire la baston. Allez, Bob, je t'ai vu, tu m'as vu, on s'est vu. Voilà. Au secours! Je sais pas comment il m'appelle. Mais non, pas lui, espèce d'idiot. Ah. Shit.
Allez. Allez, ça dégage. Je sais où tu es. Je vais te percer ton œil. De jouer à cache-cache sur leur table. Aïe, aïe. Encore un coup. Aïe. Celui-là, il devrait l'acheter cher. C'est clair, je suis d'accord là-dessus. Allez, ça dégage. Maître, il semble que cette installation a longtemps été un repère de monstres. Vos chances de trouver des indices sur le navire dans cette zone sont extrêmement faibles. LOL. T'es rigolote, toi. Ok. Te frappe un peu de ma gueule. Faut que je retourne voir le cap. Attendez, on va aller voir. Hey, Captain, tu trouverais pas un peu de moi? Ok, carré. Le navire n'était pas ici? Dommage. C'est pas très attrayant, mais il nous reste à explorer le repère des pirates qui ont volé mon navire. Allez, on embarque? Allez, c'est y part, mon pote. On largue les amarres. Ouf, j'ai eu un peu peur. Le chef des pirates est un androïde très costaud qui a des hordes de sbires sous ses ordres. Je préférerais éviter de le rencontrer à nouveau, mais... Il le faut. C'est mon navire. C'est pour mon navire. La marque en croix indique la position du repère des pirates. Yes. Eh bien écoute, on y va. Salut Anthony! Rassemble ton courage, Moussaillon. On largue les amarres. Ouais. Pouette, 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 pouette. GG, Anthony. C'est un GG. Allez, on descend. Nouvelle zone. Hop. Et repère des pirates. Très bien. Ouais, c'est ça, Karim, la deuxième flamme. Ouh. C'est vraiment pas très engageant. Mais rien à craindre, en fin de compte. Ils doivent tous être morts, pas vrai? Tout le monde n'a pas la chance de se balader avec un chronolithe. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Allez-y, pars à la recherche de mon navire, Moussaillon. Je t'attendrai ici. Y'a pas de soucis, t'es caté. Allez hop, là, sur Vera. Allez, donnez-moi des bombes. La bomba. C'est un nom. Petit cœur, je m'en fous, je suis à fond. Pardon?
Ah, des bombes! Ça, c'est une belle surprise. Salut! Au revoir! Ah, ciao! Voilà! Il y en a encore une? Il y en a encore trois, ouais. On va aller les voir. Salut! Aïe! Oh! Excusez-moi. C'est la poilade. Ouais. Ça c'est pris. Ça c'est pris. Bon, j'en ai pas besoin. En réalité, j'en ai pas besoin. On s'en fout. C'est pris quand même. Voilà, sors de là. Toi, t'es à la troisième. Excellent. Excellent. C'est la seule porte? Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien.